Départ validé pour cette quatrième épreuve, le prix Loxam Location, une course attelée pour Poulet Pouliche. Pour un chevau âgé de 6 et 7 ans, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ pour Upper de Nganda, également côté corde pour Vélios de Talonnet. On est bien parti également avec Vita du Caillou. On se retrouve complètement à l'extérieur avec Valeur d'Hanover et on vient ensuite avec Usca et côté corde avec Vlaco d'Ourville. Alors que le numéro 11, Udaco, a été disqualifié. À la sortie du tournant avec Upper de Nganda qui prend maintenant l'avantage. Vita du Caillou est en deuxième position. Vélios de Talonnet se retrouve côté corde avec dans son sillage Vlaco d'Ourville. On est sur la même ligne avec Usca et on tente de venir à l'extérieur avec Valeur d'Hanover qui emmène dans son sillage Vegas d'Ouilly. Alors qu'Unique des Landes est un peu plus loin au centre du peloton, accompagné encore de Voluté de Clermont, juste devant Vivien, accompagné encore par Vaslav Ranet. On note une nouvelle disqualification, celle du numéro 13, Valioso TJ. Avec Vegas d'Ouilly maintenant qui force l'allure et qui va prendre de l'avantage avec également côté corde avec le numéro 8 Vita du Cailleux alors qu'on est sur un deuxième rideau avec côté corde Upper de Nganda également, Valeur d'Hanover, et on fait un très bon effort maintenant à l'extérieur avec le numéro 15 Verdachet. Avec Versachet qui prend maintenant l'avantage, avec maintenant côté corps de Vita du Caillou, avec en troisième position Vegas d'Ouilly. On a fait un très bon effort également avec Vénus du Wade. On est le long de la corde avec Upper de Nganda, alors qu'à son extérieur, nous avons Valeur d'Hanover. Et on vient également à l'extérieur maintenant avec le numéro 16, Validani. À l'issue du premier tour, avec Versachet qui a l'avantage, avec maintenant à son extérieur Validani. On se retrouve sur un deuxième rideau et côté corde avec, et en troisième position avec le numéro 8, Vita du Caillou, accompagné par Vénus du Wade. On est en cinquième position avec Upper de Nganda, alors que le numéro 2, Vegas d'Ouilly, est en sixième position, juste devant Valeur d'Hanover, avec Véléos du Talonnet. On est un peu plus loin avec Usca également, avec Vlaco d'Ourville, alors qu'on est à l'arrière-garde avec Voluté de Clermont, avec Vaslav Ranet, et également avec Vivien. Il leur reste 1200 mètres à parcourir avec Validani qui a l'avantage. Versachet, le numéro 15, est en deuxième position. Vita du Caillou qui est toujours troisième. On tente de venir à l'extérieur avec Vénus du Wade mais qui est né au vent et qui a dans son sillage Vegas d'Ouilly, le numéro 2, alors qu'on est coincé le long de la corde avec le numéro 7, Upper de Nganda. Véléos de Talonnet vient ensuite en compagnie encore de Valeur d'Hanover, juste devant Vlaco d'Ourville, accompagné par Usca, un peu plus loin, Unique des Landes. Vaslav Ranet devant encore Voluté de Clermont, avec en dernière position, nous avons Vivien. Il leur reste 800 mètres à parcourir. Pas de changement en tête, à savoir toujours Validani avec Versachet maintenant qui l'a relayé au commandement. Vénus du Wade qui tente de venir en troisième position, qui emmène dans son sillage Vegas d'Ouilly. On donne des signes de lassitude, le nom de la corde avec Vita du Caillou. On est en sixième position avec Upper de Nganda, accompagné encore par Valeur d'Hanover qui tente de venir maintenant à l'extérieur. Usca est au centre du peloton. Encore nous avons Véléos du Talonnet avec encore côté corde Vlaco d'Ourville en compagnie de Vaslav Ranet. Ils vont sortir du dernier tournant pour aborder l'ultime ligne droite avec toujours Versachet qui a l'avantage. Validani qui est en deuxième position. On s'annonce maintenant avec Valeur d'Hanover, avec également côté corde Vénus du Wade, accompagné par Vegas d'Ouilly, alors qu'on est fautif avec Valeur d'Hanover. Il leur reste environ 100 mètres à parcourir. Versachet qui a l'avantage. Validani un petit peu sur ses fins, bientôt débordé par Vegas d'Ouilly, mais à l'extérieur, on tente de venir avec Vlaco d'Ourville et également avec le numéro 1 Véléos du Talonnet, le numéro 15 Versachet qui s'impose dans cette épreuve. La deuxième place pour le numéro 16, Validani. Et la troisième place sera disputée entre le numéro 2, Vegas d'Ouilly, avec également Vlaco d'Ourville, avec au centre Véléos du Talonnet. Nous rappelons que le numéro 4, Valeur d'Hanover, a été disqualifié, ainsi que le numéro 5, Usca.